Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez nous demander des consultations à Zoé ou à moi et que euh, vous avez aussi pour communiquer avec nous... Euh, la page Facebook, Instagram, euh, Twitter. Alors je voulais vous signaler, on a on, deux comptes Instagram, hein. il y a le compte euh, chris où vous avez des petits posts euh, disons euh, optimistes, gays, euh, chaleureux et puis vous avez euh, Ops euh, du bas Astro qui vous parle d'amour tous les jours. Donc euh, n'oubliez pas non plus évidemment le live euh, du mardi soir, où vous pouvez nous poser tout plein de questions! Musique poisson et ascendant Poisson dans votre horoscope de ce mois de juin, euh, ça commence avec le Soleil en Gémeaux. Hein, euh, le Gémeaux étant la, la partie de l'année où euh, eh bien la famille, euh, le passé, la maison euh, est au premier plan. Pour quelle raison? Bon, euh, des raisons très différentes chez les uns et chez les autres. Hein, vous pouvez très bien euh, vous dire que vous allez acheter un bien, hein, bon quoique vu l'état de l'économie ça me semble un petit peu difficile, à moins que vous n'ayez de gros moyens. Euh, vous pouvez aussi euh, vous dire que vous allez aménager différemment votre intérieur, hein, euh, ça ça... Ça me semble uh, plus probable. Euh, vous pouvez aussi euh, rendre visite, si vous avez la possibilité de vous déplacer, à, à de la famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou c'est la famille qui peut venir vers vous. Hein. Il y a en tout cas des contacts euh, plus fréquents et peut-être plus proches hein, euh, avec euh, les membres de la famille. Et euh, bon, il y a juste un moment qui va être un petit peu compliqué, c'est quand le Soleil va être en dissonance avec Neptune. Si vous êtes du troisième décan, euh, il y a quelqu'un de la famille qui euh, avec qui ça ne marche pas, ça fonctionne mal. Après le 20, le Soleil va être en Cancer et là vous allez être mais beaucoup mieux dans votre peau que dans les derniers jours du, des Gémeaux. Il euh, y a une sorte de libération. Euh, bon, le cancer, c'est vraiment euh, votre signe de, de, cré de création, de récréation, ça représente les loisirs, les enfants. Alors, bon, on peut se demander si vous n'allez pas partir en vacances, parce que ça va couvrir quand même tout le mois de juillet, enfin, une grande partie du mois de juillet. Euh, les loisirs, hein, de toute façon, seront au premier plan et vous aurez. Aussi très envie de vous occuper de vos enfants. Euh, on continue avec euh, Mercure qui va être très bien placée, elle aussi, a priori. Hein, euh, je, dis, je dis a priori pour les deux premiers décans, c'est vraiment un, un bon mois parce que Mercure va faire des allers-retours en Cancer, donc dans ce fameux signe de plaisir, de, de, de loisirs, euh, qui est aussi un, un secteur très créatif, donc si vous travaillez, parce que Mercure c'est quand même le travail, hein, si vous travaillez dans le monde de l'art, de l'artisanat, de, de tout ce qui est créatif, ben, disons que vous aurez euh, certainement euh, euh, peut-être plus de commandes, plus de... Vous euh, voyez, ça va bien marcher en tout cas jusqu'au 18. Hein? Parce qu'après le 18, euh, Mercure va être rétrograde. Alors peut-être qu'on vous aura euh, fait une grosse commande et que vous allez être obligé de, de vivre comme un moine euh, parce que vous allez travailler jour et nuit. Enfin, j'exagère, mais vous, que vous allez euh, vraiment vous confiner d'une certaine manière pour euh, effectuer euh, ce travail. C'est possible, ça peut être une, une interprétation. Hein? Mais bon, euh, il se peut aussi que l'un de vos enfants, euh, euh, vous cause un petit peu de soucis parce que ou il n'a pas eu son bac ou il euh, euh, y a des. vous vous demandez comment l'orienter euh, voilà ça peut être une source euh, hein, de questionnement mais bon euh, je veux dire mercure étant très bien placé il euh, n'y a pas de drame il hein, n'y hein, a pas de souci à se faire euh, bon elle redeviendra direct le 12 juillet alors si vous êtes dans une interrogation Hein, euh, que ce soit à propos d'un enfant, à propos d'un travail, euh, à propos de, de n'importe quelle activité, euh, bah, il ne faut pas attendre vraiment de réponse avant le 12 juillet ou autour en tout cas de, de cette date. Hein, euh, ça va être un... Euh, comment dire euh, Là, euh, ça va de nouveau circuler. Le problème avec Mercure, quand elle est euh, rétrograde, c'est que les choses ne circulent pas. Hein, euh, donc euh, même euh, parfois le courant électrique ne circule pas. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, bon, il faudra donc, attendre le 12 juillet. On va parler de Vénus euh, maintenant et Vénus, vous le savez euh, depuis euh, hein, plusieurs mois, elle est en Gémeaux dans votre secteur de la maison de la famille euh, et du passé. Donc on peut penser que vous allez décorer. Hein, Vénus c'est toujours il y a un côté artistique. Que vous allez avoir envie de redécorer votre maison ou d'y apporter une touche un peu plus glamour. Hein, euh, mais bon ça fait quand même longtemps là hein, <laughs> depuis le mois d'avril. Mais il est vrai qu'on a été confiné donc c'était la maison hein, donc c'était euh, voilà. Hein, Vénus était dans le secteur de la maison, donc euh, c'est là que ça se passait. Euh, là maintenant, si vous voulez, euh, je pense que, euh, alors du côté des amours surtout, il y a une grosse interrogation, il y a un, hein, un gros questionnement. Euh, vous avez peut-être... Euh, repris contact avec quelqu'un avec qui vous avez vécu dans le passé une histoire et euh, ben, il se trouve que vous vous demandez euh, si ça va reprendre ou si ça ne va pas reprendre si vous en avez envie si vous en avez pas envie euh, vous serez quand même très hésitant et ça ça va être confirmé par d'autres aspects euh, moi je serais de vous, je laisserai passer quand même quelques temps avant de prendre, avant de faire un choix. Hein. Euh, J'attendrai le mois de juillet en tout cas, parce que là pour l'instant avec vénus qui va être rétrograde tout le mois, je ne vois pas comment vous pouvez avoir une vision euh, claire de ce que vous ressentez euh, ou de ce que ressent l'autre. Il hein. euh, y a euh, obligatoirement euh, vous avez la tête encombrée, hein, ça vous prend la tête. Voilà, hein, l'expression dit bien ce que ça veut dire. Ça vous prend la tête parce que euh, vous ne savez pas euh, quelle option euh, vous allez bien pouvoir choisir et de quoi va être fait votre avenir. On termine avec Mars, et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Euh, Mars est dans votre signe hein, euh, entre euh, euh, bah, tout le mois quasiment, euh, puisqu'elle sort de, des Poissons le 28, et elle est pratiquement tout le mois conjointe à Neptune, et c'est vraiment un problème euh, pour certains, je dis pas pour tous, hein, mais pour certains c'est un problème parce que euh, tout ce que vous allez entreprendre, Mars, planète de feu, risque de tomber à l'eau à hein? Neptune, planète d'eau et qui est très importante puisque dans votre signe elle est chez elle. Donc Mars lui est soumise. Alors peut-être que c'est vous qui allez être soumis à quelqu'un. Peut-être que vous êtes tombé très amoureux et que vous êtes dans la fusion la plus totale et totalement soumis à l'autre. C'est une possibilité mais vraiment pas pour tout le monde hein. Mars étant quand même la planète d'action et de décision, moi je, je persiste à penser qu'il euh, bah, vaut mieux pas prendre de décision euh, ce mois-ci, hein, euh, tant que les deux planètes seront conjointes. Elles vont se séparer à partir du 20, 22. Hein. Euh, donc vous pourrez prendre vos décisions après. C'est pas j'espère qu'il n'y a pas de décision urgente à prendre parce que vous ne l'apprendriez pas dans des bonnes conditions, vous seriez peut-être mal influencé ou, ou que tout simplement vous n'y verriez pas très clair. Hein. Donc euh, mon conseil là c'est vraiment de rester sur la réserve, de ne pas euh, prendre de... Euh, faire de mauvais choix, c'est-à-dire pas prendre des directions, euh, Voyez, un petit peu euh, comme ça, euh, louvoyante, euh, restez sur vos rails et euh, retenez-vous de, de faire de, des choses impulsives que vous re re regretteriez par la suite parce que, euh, bon, euh, Mars nous pousse hein, à, à prendre des décisions impulsives et là, il ne faut pas. Il faut vraiment attendre le mois prochain. Je vous dis au mois prochain, amusez-vous bien, profitez et puis si vous voulez plus d'horoscopes, évidemment vous avez toujours rtl.fr, le site du Figaro TV Magazine et vous pouvez m'appeler au 3210.